Ils ont vendu nos montagnes et nos forêts jurassiennes. Ils exploitent nos campagnes en dépit des démarches citoyennes. C'est l'industrie dans la nature, de par notre nature. On dénature tout pour faire valoir leur signature. Du Mont Péreux jusqu'au Belcoster, juste avant le Val de Travers, ils veulent détruire mon mont des Serres. En lacérant les crêtes, en creusant dans la terre, ils veulent souiller nos clairières de manière délétère. Ces promoteurs qui sont en vrai de promenteurs, vas-y dis-leur qu'ils sont en vrai de vrais persifleurs. Ils sont pires que les pires, des pires dealers, car ils veulent nous vendre du vent tout en saccageant nos fleurs. Nos gentianes, nos orchidées de nos campagnes, nos bouquets de fleurs sauvages qu'on offrait à nos compagnes. Ils veulent descendre des centaines de sapins blancs sans faire semblant des arbres datant de plus de 500 ans. Ici c'est le bois de Katsou et ses habitants, je fais ça sans malentendu, sans aucune hésitation. Nos chevreuils, nos chamois, nos renards, nos bouquetins sont dans un sale pétrin aux alentours de mon petit patelin. Le monde sauvage qui prend un coup de massue, des espèces qu'on avait vu revenir qui auront disparu. Car souvent, on nous vend du rêve au prix du vent, tout doucement le monde vivant meurt avec les engoulevents. Nos politiques en manque d'idéologie nous vendent de l'écologie pour éclairer nos logis, oui. Leur sale stratégie nous vendre de l'énergie en parlant synergie, les autochtones sous allergie. C'est une doctrine hérétique de manière frénétique. On n'arrête pas comme ça leur machine à gagner du fric. C'est pathétique, ils prétendent nous représenter, mais à force de parlementer, ils sont comme de vrais contrebandiers. Magouillés pot de vin faisant valoir leur contrat qu'ils ont signé entre amis faisant fi de la démocratie. C'est qui va payer l'addition? C'est la génération future qu'on viendra la déconstruction. Toujours plus de béton pour arranger les lobbies. Et le peuple applaudit, c'est bien triste mélodie. Dis-moi l'ami, rappelle-moi qui t'avait élu. Mais qui est au service de qui? Oui vas-y, ravale tes laitues. Ils veulent détruire le bois de Katsou et ses habitants, et foutre en l'air le grand tétra et son habitat. Des tonnes d'agglomérats et de béton coulé, c'est bien sous des tonnes de gravats que la nature va s'écrouler. Ils veulent pomper le monde sauvage jusqu'à sa dernière goutte. Ils veulent agrandir nos sentiers jusqu'à leur dernière route. Ils sont pas nets et nous font marcher sur la tête. Ils prétendent sauver la planète et se sauver avec leur mallette. Mais vous me direz que je n'ai rien à proposer à part d'éteindre les lumières et d'aller au travail à pied, non. Ce n'est pas moi qui suis là pour nous sauver, je suis juste venu chanter qu'il faut arrêter ces chantiers. Je fais ça, ouais, pour les grands rapaces, pour sauver leur terre, en tchat, je veux pas ramasser leurs carcasses. Ces aigles royaux qui sont de vrais joyaux, je te le dis avec mes boyaux, ces oiseaux te voient de là-haut. Je fais ça, ouais, pour le lynx et le loup, peu importe ce que l'on pense, un loup sera toujours un loup. À force de pousser le bouchon, il y aura plus rien dehors, quand il y aura plus de bourgeons et que du béton comme décor. L'inconscience du monde vivant qui nous entoure fait bien plus peur que la disparition même de tous les vautours. Et tous vaqueront à leurs occupations, même si nos montagnes sont malades et que j'en fais de leur auscultation. Ouais, je vous présente ma démission car je ne fais pas partie d'un monde qui vit pour sa disparition. Que cette chanson soit témoin d'une époque révolue, d'un cercle de peintres disparus. Robert Hénard ou même Charlie Gontier, je peux pas m'empêcher de penser à Archibald Cartier. J'aurais pu vous le dessiner, mais j'ai préféré vous le chanter comme les anciens sont monde entier. Mesdames, messieurs les députés, du monde entier, il n'est plus l'heure de discuter. Vous teniez à vos responsabilités, maintenant que vous les avez, c'est dans le béton que vos noms sont gravés.